Donc voilà, je me suis connecté sous la borne. J'étais à 71%. Ça fait déjà quoi, de 3 minutes? J'ai déjà à 73%. Alors que ça charge qu'à 14 kg. Je zoome sur... La borne 20 kg, très bien, donc c'est bien de 22 kg. Recharge effective 13,8 kg. Autonomie disponible 225. Rien à dire. Température de la batterie 18 degrés. Parfait. Alors, par contre, je vais vous montrer quelque chose qui est marrant. Je vais arrêter. C'est marrant comme tout. Ah, je suis obligé de le montrer. Bon, c'est tout neuf, hein, on voit. Hein. Même les trains sont tout neufs. Là, c'est vraiment nickel. Hein. Là, vous arrivez, vous êtes en face de la gare. Voilà. Clac. Vous avez quelque chose à attendre quelqu'un. Vous êtes en voiture électrique. Vous rechargez votre voiture électrique gratuitement. La personne arrive. Bah, tiens, c'est... Oh mince, ce train, il a une heure de retard. Oh non, ça arrive jamais, ça. Bah, pendant une heure, vous rechargez votre voiture. Du coup, vous pouvez patienter. Et quand j'ai connecté la prise, donc c'est tout simple, hein, comme toujours, hein, on prend son badge, il y a l'écran tout indiqué, on passe ici, hein, le logo c'est à peu près toujours le même. Hein. Bah, faut être pas de terrestre pour pas le comprendre. Et faut pas être terrien. Donc ça fonctionne très bien, on passe ça. Ça indique automatiquement, vous indiquez, j'ai même pas appuyé ce bouton là d'ailleurs. Ah oui, j'ai passé mon badge, ça fait clouc, j'ai ouvert la porte, mais la porte logiquement, elle devrait s'ouvrir comme ça, à l'extérieur. Puisque regardez ce qu'il y a là. Ils ont mis des barrières. Oui, mais la porte, non, elle s'ouvre comme ça, dans le mauvais sens, à l'intérieur. Ça fait que pour brancher votre câble, bah, vous passez ici. La main, tant bien que mal, pour brancher, comme c'est quand même des grosses prises. Hein. Alors j'imagine, quand il fait nuit, quand il pleut et tout ça, il faut aller vite. Ah ben là, vous pouvez pas aller vite. Mais franchement, non mais, c'est parfait, mais il faut toujours quelque chose qui soit mis de travers. Ça, c'est incroyable. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de voiture électrique. Sinon, il y a plus longtemps qu'ils auraient rectifié le tir. Ils auraient dit, bah attendez voir, la borne, on la monte à l'envers, là. Les portes, elles s'ouvrent pas dans le bon sens. Alors je pense que ce sont des portes qui peuvent être réversibles et s'ouvrir dans un sens ou dans l'autre. Bon ben voilà, à la Meuse c'est très bien, mais bon, petite chose que je rajoute, hein, c'était une obligation. Donc gratuit, hein. Bravo la Meuse. Merci à ceux qui ont eu l'idée de faire ça, parce que ça manque terriblement dans notre pays. Voilà. Surtout au pied d'une gare, le parking en plus est gratuit. Alors en voiture électrique, vous voyez, eh ben on a la place. Et puis en plus, ils ont mis deux bornes, ils n'ont pas fait n'importe comment. Ils ont prévu large. C'est très bien. Bravo. Voilà, alors c'est du vent dans le micro, hein, c'est normal. Voilà, donc ça fait un petit quart d'heure que je suis branché, que la voiture est branchée du moins. Donc ça monte tranquillement, 81%. Indication tableau de bord, bon, toujours, on s'y fie pas. Ça n'a aucune importance. Si je veux, je peux repartir, il n'y a pas de problème.